Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, je voulais faire une vidéo car aujourd'hui, je viens de découvrir, il y a la nouvelle mise à jour Brawl Stars. Donc voilà, dans cette nouvelle mise à jour, il y a plein de nouveautés. Je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo, bien sûr. Après, on va faire une petite partie vite fait, voilà, histoire donner de l'amusement. Voilà. À cette vidéo. Donc du coup, commençons par la première nouveauté qu'il y a eu. Donc voilà, c'est une nouveauté qui a quasiment dans chaque grosse mise à jour. C'est un nouveau fond, une nouvelle animation au début. Donc bon voilà, de toute façon quand vous allez lancer le jeu, vous allez voir c'est une animation bien faite. Ensuite voilà. Du coup, il y a un deuxième ajout qui sont les gadgets. Donc ça, je vais pas trop m'attarder dessus, même si c'est peut-être le plus gros ajout de cette mise à jour. Donc voilà, donc les gadgets, c'est quelque chose un peu comme un super, c'est un peu comme un pouvoir star, mais la différence avec le pouvoir star, c'est que vous n'avez pas besoin d'être pouvoir 10 pour les débloquer. Regardez là, il y en a. J'ai acheté celui qu'il y avait dans la boutique sur Penny. Donc Penny, vous voyez, elle est pouvoir 8. J'ai son gadget. Donc le gadget de Penny qui tire un grand coup de canon, créant une explosion qui détruit les murs et inflige 1500 points de dégâts aux ennemis aux alentours. Donc ça, j'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris ce gadget-là. Je l'ai essayé en partie et j'ai toujours pas compris. Donc voilà, du coup, le gadget est différent pour chaque brawler. Par exemple, si on regarde sur Bull régénère instantanément 1500 de ses points de vie. Donc en gros, voilà, le gadget de Bull, c'est un peu comme Shelly en fait. Le pansement de Shelly en Pouvoir Star, c'est un peu la même chose. Après, sinon, il y a encore, par exemple, Monsieur M. Il y a Monsieur M, par exemple. Monsieur M augmente les dégâts infligés par son robot porteur de 150 points et de sa santé de 1000 points. Donc ça par contre je ne sais pas si ça se fait pendant toute la partie. Je pense que non, vu qu'il y a des recharges, 3 recharges par partie. Donc je pense que c'est pendant un temps limité. Et du coup les gars, on est parti du coup pour la dernière nouveauté. La dernière grosse nouveauté on va dire. Du coup c'est l'ajout d'un nouveau brawler. D'un nouveau brawler super rare qui s'appelle Jackie. Donc voilà, c'est un brawler qu'on va essayer. Donc le brawler, je l'ai pas encore, mais j'ai eu beaucoup d'occasions de l'affronter. Et du coup, on regarde en fait quand. En fait, c'est une attaque qui jette un genre de champ électromagnétique, voilà. Et c'est un peu comme ça fait un... bon voilà c'est voilà du coup ça met 1300 de points d'HP dans bah quand vous l'avez niveau 1 quoi. Et du coup j'ai eu beaucoup de l'occasion de l'affronter en Brawl Ball et franchement en Brawl Ball je l'ai affronté énormément et parce que bon logiquement il y a beaucoup de gens qui l'ont vu qu'il y a beaucoup de gens qui ouvrent plein de packs et tout surtout dans mon niveau, donc les 11 000 trophées, tout ça. Et ça, ouais, c'est un brawler, franchement, il est fort. Franchement, je l'aurais mis épique ou mythique, parce que franchement, il est vraiment fort. Et du coup, son spécial, ça. En fait, son spécial, c'est un peu comme le spécial de Tara. C'est la même chose, sauf qu'il met pas d'HP en moins. En fait, son super, je vais vous remontrer. Voilà. Et du coup. En fait, quand vous êtes dans la zone orange, et ben vous rapprochez automatiquement de la Jackie du coup. Et du coup bah c'est assez cheat, même si moi je suis pas trop fan des supers comme ça. On va pas se mentir, je suis pas trop fan. Donc voilà. Du coup ouais, du coup son super. Bon voilà. Jackie manie le marteau piqueur comme personne pour faire trembler le sol. Son super attire les ennemis aux alentours et leur inflige des dégâts.
Donc, ouais. Ok, donc j'ai. Donc, du coup, on va retourner, les gars. Parce que je voulais juste vérifier un truc. Je voulais juste vérifier un truc, c'est que. Parce que je crois que j'avais pas capté que. Que son super, il enlevait des HP quand on se rapprochait. Non. Non, pourquoi il dit ça alors? Ok, ouais. Et un fils de dégâts. Bon, ça, je pense que c'est l'attaque normale. Du coup, son pouvoir star, c'est lorsqu'elle reçoit des dégâts. Jackie en convertit 15% pour contre-attaquer avec un coup de prise roche dévastateur. D'accord, donc je pense. Donc je pense qu'en fait, quand elle se fait attaquer, je pense qu'elle elle va. En fait, quand elle se fait attaquer avec son pouvoir star, elle envoie sur celui qui lui a envoyé 15% des attaques qu'elle a reçues. Donc admettons, si elle a reçu une attaque de boule à 2800 HP par exemple, elle va lui renvoyer une 15% de cette partie-là sur le boule. Donc ça va, c'est assez cheaté quand même. Du coup bah ça me fait un brûleur de plus à débloquer. Du coup voilà, il me reste 3 légendaires, 2 mythiques et une super rare. Du coup bon, après, sur les mods, y a rien. Ça c'est dommage, j'aurais pu peut-être mettre un petit mode temporaire, un peu comme ils avaient fait avec la zone réservée ou les trucs comme ça. C'est ce qu'ils auraient dû faire. Du coup, ouais, les gadgets, vous pouvez les débloquer dans la boutique. Donc c'est 1000 pièces d'or pour en débloquer un. Donc moi, c'est celui que j'ai acheté pour Penny. Je crois qu'on peut en avoir dans des boîtes, mais je suis pas sûr. J'espère que ça y est. Point de pouvoir plus pièces. Ouais, gadget. Du coup, par exemple, dans une grosse boîte, vous avez 2% de chance de débloquer un gadget. Dans la méga boîte, 2% aussi. Et dans la petite boîte, je crois, ouais, non, on peut pas. Bon, voilà, du coup, les gars, ça me fait un brawler de plus à débloquer. Donc du coup, on va lancer une partie en Brawl Ball comme ça. Bon, voilà, c'est justement, et c'est aussi pour. Bon, à chaque fois que. Bon voilà, du coup, on va tester le gadget de Penny. Parce que je vais vous avouer, je n'ai toujours pas compris le gadget. J'ai. Voilà, je fais. En plus, moi, je fais pas trop attention à ça. Donc du coup, on va. Puis bien sûr, on va essayer de faire une victoire. Donc là, vous voyez, il est en bas. Donc on a 3 recharges par tour et je crois que c'est dès que j'ai posé ma tourelle que ça s'active, je crois. Je crois, mais je suis pas sûr. Voilà. Donc du coup, je vais poser ma tourelle. Voilà. Du coup, mon gadget s'active. Ouais, non, j'allais pas le lancer maintenant parce que j'ai peur de me rater. Ça serait bête de gâcher une recharge pour rien. Bon, par contre, faut que j'arrête de faire le tir auto. Bon, du coup, ah ouais. Non, non, on va sûrement mourir. Donc, oui, donc du coup, on va tester tout de suite. Oh, d'accord, bon, il a détruit la tourelle. Oh putain, ouais, les gars, en plus, ça fait énormément de temps que j'ai pas joué à Brawl Stars. Vraiment très faire des points. Donc, j'espère que j'ai pas perdu mon niveau. Parce que en plus je comptais reprendre le jeu, donc voilà, donc du coup je vais enfin le tester. D'accord. Donc si j'ai bien compris, à moins que j'ai l'explosé en même temps, je pense que c'est en fait le canon qui explose et qui. D'accord. Donc on va retester. On va retester pour être sûr. D'accord. Donc j'ai compris. Donc en gros c'est le canon. Donc le gadget de Penny, c'est le canon qui explose et qui inflige 1500 points de vie aux ennemis aux alentours, quoi. Bien sûr, de la même portée que le nouveau brawler. Ça va. Ça. Après, gadget, c'est. Je trouve que c'est vraiment pas mal de la part de Supercell parce que c'est ça apporte. Voilà. Ça apporte moins de difficulté au jeu pour les nouveaux joueurs, quoi. Les nouveaux joueurs qui arrivent sur le jeu, bon, faut pouvoir mettre
après pouvoir tard. C'est pas forcément génial. Pas forcément génial à développer, donc ça peut être pas mal. Vous avez 1000 pièces, vous avez, je sais pas, 800 trophées. Vous achetez un petit gadget, vous ouvrez des petites boîtes, vous achetez un gadget. Donc franchement, c'est peut-être pas mal. De toute façon, bien sûr, je vais reprendre les vidéos sur Brawlstar. Donc bah, j'aurais pas fait cette vidéo sur cette mise à jour. J'aurais pas fait la vidéo sur la mise à jour si j'aurais arrêté Brawlstar. C'est vrai que, après les gars, bien sûr, tiens à m'excuser pour la longue absence que j'ai eue sur YouTube. Donc j'étais absent. Ouais, une semaine et demie. Voilà, j'ai pas fait mon rythme de vidéo. Donc voilà, après j'en ai pas fait. Bon voilà, j'ai des problèmes personnels, tout ça. En ce moment, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. Après il y a le corona. Corona aussi. C'est un peu chiant. Qui m'empêche un petit peu de faire mes. Donc en espérant qu'on passe à égalité quand même. Non. Les gars. Oh non. Oh non, putain. Oh les gars, par contre les gars, mais c'est incroyable. C'est incroyable ça les gars. Je sais pas si vous avez vu, putain, la balle au bord. Il siffle la fin du match. Je suis dégoûté. Bon après c'est pas grave. Bon l'important c'est pas grave si j'ai gagné dans les pires des cas. Si j'ai perdu. Si j'ai fait égalité, pardon. Dans les pires des cas, de toute façon je n'ai pas perdu de trophée. Donc ça. Donc je m'en fous. Je voulais juste vous montrer le gadget de Penny. Parce que bon bah, c'est le seul que j'ai. Du coup. Dans 7 heures, il y a une nouvelle boutique. Donc je vais voir le nouveau gadget. Et puis bah. Puis dans une prochaine vidéo sur Brawlstar, on le fera. Bon du coup, bon je pense moi c'est tout pour cette vidéo les gars. J'ai fait un petit peu le tour vite fait des ajouts. Après il y a des autres ajouts, mais c'est au niveau du graphisme, tout ça, genre pouvoir 8 qui s'affiche autrement, tout ça. Bon, enfin bref, ça je vais pas m'attarder dessus. Du coup les gars, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, que vous en avez appris un petit peu plus sur les mises à jour. Donc excusez-moi si j'ai mal présenté tout ça, mais c'est vraiment une vidéo à l'improviste. J'ai fait ça vite fait, histoire de vous présenter la mise à jour. Du coup les gars, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, à vous abonner. Et sur ce les gars, moi je vous dis ciao.